Bien, moi saluer chaque étudiant, chaque étudiante. Nous comptons pour que moi retrouver nous encore aujourd'hui hein, pour un autre cours et un autre cours côté que nous prenons apprendre l'autre bagaille. Eh bien, je dis un coup ça qui ça nous prend apprendre. Nous prenons apprendre chercher un mot dans un texte. Chercher un mot dans un texte. Mais un texte, ça qui arrive dans un texte moyen, moi j'ai un mot écrit là-dedans. Mais si texte là en pile document en pile, on pas qu'à joindre ni pour défiler toute page pour me chercher document, eh bien, gon manière qui t'a ca plus facile pour me chercher. Eh bien, c'est ce qu'on va voir mes étudiants et étudiantes. Pour chercher un mot dans un texte, nous parler dans edit. Et puis find, well, pour me chercher yon mot dans un texte, m'aller sous edit et puis find. Eh bien, edit c'est un menu. Je clique sur le menu edit pour chercher un mot dans un texte. Je clique sur le menu edit puis find. Eh bien, après avoir cliqué sur find, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaissent. Et dans cette boîte de dialogue qui apparaissent, on doit faire quoi dans cette boîte de dialogue? Eh bien, dans cette boîte de dialogue, il y a une partie ça là qui est importante. Find what? C'est-à-dire, find what, c'est qui ça m'a cherché? Hein? Et bien, m'écrit ça m'a cherché. Par exemple, on t'a cherché père. M'écrit père là-dedans. On t'a cherché père. Écrit père. Maintenant, lorsque je finis écrit père, moi je dois cliquer sur find next pour me joindre moi. Si je clique sur find next, il n'y a pas bon moi. Je regarde là dans direction. Direction. Dans direction, si direction là, il était sur up, je mets sur. Si il était sur down, je mets sur up. Si il était sur up, je mets sur down. Et puis je clique find next à nouveau. Et bien, on va voir. On clique sur find next. Oui, il dit que il pas joindre. Pas oublier me dit s'il dit il pas joindre, m'a gardé dans direction, si direction était sous down, m'a mettre sous up et puis m'a fait find next. Voilà. Est-ce que nous ouais, il sélectionner moi à montrer. Ouais, il montrer moi côté perle enfermé ou même en aller faire ensemble avec moi. Nous pour aller dans edit find qui c'est rechercher. Eh bien, dans find là, moi écris mon chercheur. Par exemple, moi te vle professionnel. On écrit professionnel. OK, et moi fais find next. Moi fais find next. S'il pas bon moi, m'a regarder dans direction, si direction t'es sous up, m'a mettre sous down, si t'es sous down, m'a mettre sous up. Comme moi pour qu'on fait, ben on fait find next. Il dit cannot find professional. Eh bien, s'il pas chercher professionnel là, eh bien m'a mettre direction non sous down et ouais mais il sélectionne montrer qui côté lit. Donc ça c'est pour rechercher un mot dans un texte. Comment rechercher un mot dans un texte? Pour rechercher un mot dans un texte, on clique sur le menu edit, edit puis find next et edit find. Et dans cette boîte de dialogue qui apparaît, dans la partie find what, voilà, dans la partie find what, moi écris mon chercheur. Par exemple, je voulais rechercher las. J'écris las. Et m'a fait find next. Si le papa m'a dans direction, m'a cliqué sur up. S'il était sur down, s'il était sur up, m'a cliqué sur down. Voilà. Ouais, il ban moins las là. Et bien, c'est comme ça que m'a recherché un mot dans un texte. Maintenant, ou même sous machine pour là. Al rechercher un mot dans un texte. Donc, tape un petit texte et cherche un mot sous lui. Fais pratique là, montre le mot que vous êtes capable de chercher. Maintenant, on a gardé un autre bagage encore. Qui ça me café? On prend exemple que j'ai un mot dans un texte moyen que je voulais remplacer. Moi, je voulais remplacer mot ça dans un texte moyen. Mais, étant donné que moi, je ne songe pas à moi dans le texte là, même pas songe qui côté moi. Si je ne songe pas qui côté moi, qui est
qui j'en dans condition ça que me capable changer moi dans texte moi. Et bien, pour me changer moi dans texte moi, moi pour aller dans menu edit, ouais, m'aller dans menu edit et m'aller dans replace. M'aller dans pour remplacer un mot dans un texte, on clique sur le menu edit, puis on clique sur replace. Et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue qui s'affiche, il y a trois parties importantes. La première partie, c'est la partie Find What. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans la partie Find What? Dans la partie Find What, on doit écrire le mot qui se trouve dans le texte qu'on veut remplacer. Je répète, dans la partie Find What, on doit écrire le mot qui se trouve dans le texte qu'on veut remplacer. Eh bien, par exemple, je sais dans le texte qu'il y a nouvelle et disons mieux, école, et j'ai remplacé école par un autre mot. Eh bien, j'écris dans la partie Find What, école, vous voyez? Donc, dans la partie Find What, on écrit le mot qui se trouve dans le texte qu'on veut remplacer. Par exemple, dans le texte, je sais qu'il y a école, j'écris école. Et dans la partie replace with, je dois écrire le mot qu'on va remplacer par l'autre. Le mot qu'on va mettre à la place d'école. On doit écrire le mot qu'on veut mettre à la place de l'autre, ou tout au moins c'est le mot qu'on veut mettre à la place d'école. Par exemple, dans la partie replace with, moi va écrire mot que m'a mettre en place l'autre là, et bien m'écrit par exemple institution. Écrit institution. Et voilà. Moi dit lorsque m'a remplacer un mot dans un texte, m'aller dans menu edit et moi cliquer sur replace. Et lorsque je clique sur replace, gon boîte de dialogue qui paraît. Dans boîte de dialogue ça moi cliquer là dans partie Find What là. Dans partie Find What là m'a écrit mot que m'a mettre en place, m'a remplacer. Ça veut dire mot qui dans texte moi que me veut retirer pour mettre l'autre là. Par exemple, moi connais dans texte moi j'ai école, me veut retirer école, et bien m'écrit école là dans partie ça. Et moi connais pas qui ça me va remplacer, moi dit m'aller dans partie replace with là, m'a remplacer par institution et puis m'écrit institution. Maintenant, pour me remplacer, me aller là, moi cliquer sur replace et moi supposé remplacer. Et il dit cannot find école. Eh bien, s'il dit cannot find école, ça veut dire c'est joindre pas joindre pour le remplacer. Eh bien dans cas ça qui ça me doit faire? Moi pour aller regarder là, il y a une petite partie là qui les match case. Le match case, ça veut dire ma marché casio ensemble, eh bien, moi coché match case. Match case. Dès que je coche match case, il est supposé remplacer. On regarde pour nous, ouais. Bon, me déplacer ça pour nous, car le changement pour le faire. Nous, école là. Et m'a remplacé par institution. Moi, je dis replace. Il dit, cannot find école. Cannot find école. Eh bien, n'a fait un rap et à on n'est pas de côté lié, hein. Many. Et nous dit replace many. Well, il remplace école par institution. Donc, tel est ainsi qu'on peut rechercher un mot, remplacer un mot. Donc, nous, on regarde encore, on va le refaire encore. On va le refaire encore. On regarde, nous va le refaire encore. Nous dit, nous va le remplacer un mot par un autre. On va aller dans Edit. Et puis, find, replace. Moi, je dis dans case replace, find what là, m'a écrit mot, m'a remplacé. Eh bien, moi, je dis, qui ça, m'a écrit là? M'a écrit mot, m'a remplacé. Par exemple, je voulais remplacer professionnel. 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 Si je voulais remplacer, m'a écrit là. Qui m'a mettre en place? Eh bien, moi, je voulais mettre en place li, homme. Mais m'écrit là, homme, non, replace. Oui, là, m'écrit homme, non, place, replace, suite. Non, replace, suite, là, après, ça me fait replace. Ouais, ici, pour se remplacer. Et s'il n'est pas remplacé, m'a cliqué sur find next et m'a cliqué sur replace après. Find
On regarde, faut que moi te bien écrit, si moi pas bien écrit, s'il gon erreur, il kabay problème. On regarde là. Et puis moi dit replace all. Et là, les supposés changer, ouais, les changer. Eh bien, merci ou même qui t'a suivi pour ça. Nous on comment qu'on remplacer un mot, comment qu'on rechercher un autre. Eh bien, moi ben nous rendez-vous pour prochain cours pour nous capable suivre l'autre cours. Merci, invitez amis, invitez famille, venez suivre cours. C'est ton plaisir. Au revoir.